Kuga est l'un des SUV les plus cotés du marché. Puissant, fiable, robuste et bien équipé, le véhicule possède les atouts nécessaires pour séduire les clients les plus exigeants. D'autant que sa gamme de motorisation s'est élargie en adoptant la version diesel 1,5 TDCI, plus accessible et encore plus sobre que jamais. Ford Kuga bénéficie d'un lifting de mi-carrière. Il s'agit en effet d'un profond restylage qui lui a valu une ravissante cure de jouvence. Introduit au Maroc il y a une année par l'importateur exclusif Scama, le modèle était doté uniquement d'une motorisation de 2 litres. La gamme s'est enrichie dernièrement avec le lancement du bloc 1,5 litre dont la puissance fiscale ne dépasse pas 6 chevaux contre 8 pour les autres versions. Utile de rappeler qu'au niveau design, le modèle s'est désolidarisé de son prédécesseur par un changement de style. Il a emprunté le dernier code identitaire de la marque déjà apparue chez Ford Edge avec une imposante calandre hexagonale. Avec un profil dynamique et une ligne de toit qui chute vers l'arrière, la ligne est plus sportive et équilibrée. Purement américain, l'ADN procure une forte personnalité, se distinguant par des formes athlétiques et une face avant agressive. Les feux optent pour un dessin plus moderne et les passages de roues sont plus marqués. Le look sportif est renforcé par un dôme central qui agrémente le capot moteur, ce qui assure une meilleure protection des piétons. Le haillon arrière, de son côté, a été retravaillé de façon à atténuer le dommage sur les composants les plus onéreux à remplacer suite à une collision. Pourvu de dimensions généreuses, comparativement avec la moyenne de la catégorie, le Kuga dispose d'un agréable espace à bord à l'avant comme à l'arrière. Doté d'un volume de 456 litres, le coffre est carré et bien conçu. Il est extensible à 1603 litres une fois la banquette arrière est rabattue. Le volant a été redessiné pour adopter 3 branches contre 4 précédemment. La suppression du levier de frein à main a permis au Kuga d'élargir la console centrale en partie basse, désormais dotée d'un espace de rangement fermé. À bord, les technologies embarquées et les équipements existants sont innovants et conçus idéalement pour faciliter la vie aux conducteurs et aux passagers. Le SUV est doté de la 3e génération du système SYNC 3 qui a fait le choix de la simplicité en ne gardant que les commandes principales. Pour s'arrimer aux orientations du marché, Ford a amélioré son offre en matière de connectivité. En effet, SYNC 3 assure une maniabilité optimale du téléphone, un contrôle de la navigation et de la musique, sans oublier qu'il fournit les informations les plus détaillées sur les équipements mécaniques du véhicule, et cela grâce à l'écran tactile de 8 pouces. Plus simple, la nouvelle interface intègre des menus plus larges et des fonctions de zoom par pincement et de mouvement par glissement. Sous le capot, le nouveau bloc 1,5 litre d'une puissance de 120 chevaux pour un couple de 270 Nm devrait séduire une nouvelle clientèle au SUV. En matière de transmission, il est accouplé à une boîte à vitesse manuelle à 6 rapports. ADC, le véhicule a fait preuve de prouesses techniques de taille en ville, se faufilant aisément dans les artères les plus encombrées. Sur route, ses attitudes et ses performances sont notoires, en plus d'un confort confirmé, et ce grâce à des suspensions de pointe et une insonorisation avérée. Côté tarification, le prix s'affiche à partir de 260 000 dirhams pour la version Trend. Pour Trend Plus, il faut débourser 290 000 dirhams, alors que la version Titanium démarre à 320 000 dirhams. Des tarifs adéquats en raison des prestations et de la dotation en équipement de base offerts.